14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le policier vient m'informer. Monsieur Westphal, votre épouse est morte. Le calvaire commence. On me met un sac sur les mains. C'est parti. En route vers l'enfer. Bonjour, un parlementaire accusé d'avoir tué son épouse. Une mort survenue dans le huis clos d'une chambre d'hôtel. Un amant qui joue les troubles fêtes, les secrets d'une vie privée débridée, jetés sur la place publique. Autant d'ingrédients qui ont fait de l'affaire Westphal le feuilleton criminel le plus palpitant, mais aussi le plus sombre du royaume de Belgique. Pendant 3 ans, Bernard Westphal, homme politique en vue, député du Parlement belge, s'est retrouvé ainsi prisonnier d'un étau judiciaire, inculpé et placé en détention pour le meurtre de sa femme Véronique Piroton, 42 ans. Il l'aurait tué dans un accès de colère à l'issue d'une énième dispute. Ce scénario, écrit par les enquêteurs, va pourtant se heurter à bien des incohérences, des interrogations qui finiront par s'imposer. Bernard Westphal, qui va témoigner dans cette heure du crime, vous l'entendrez, sera acquitté au bénéfice du doute, mais à quel prix ? 5 ans après ce verdict, le trouble règne toujours sur cette affaire, comme si la vérité sur la mort de Véronique Piroton n'avait jamais émergé, comme si son fantôme hantait toujours les esprits. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Westphal, un parlementaire bientôt accusé de meurtre, celui de son épouse, retrouvée morte un soir d'automne 2013 derrière les murs d'un hôtel en Belgique, sur la côte de la mer du Nord. Il est 22h56, ce jeudi 31 octobre 2013, quand un homme en chemise émerge dans le hall de l'hôtel Mondo, un établissement d'Ostende à 200 mètres des grandes plages de la mer du Nord. L'homme a emprunté l'escalier intérieur car l'ascenseur, dit-il, était occupé. Il est calme. Au réceptionniste, il déclare que son épouse s'est suicidée ou qu'elle a été victime d'une overdose. « C'était le soir d'Halloween, je pensais à une blague déplacée », racontera l'employé de l'hôtel. Mais l'homme ne plaisante pas. Il répète qu'il faut aider sa femme car elle s'est suicidée, peut-être avec un sac plastique. Le réceptionniste prévient la police, puis avec un ami accompagne le client jusqu'au 6e étage, la chambre 602. Dans l'ascenseur, il remarque que celui-ci a des traces de griffures à la main gauche. Il semble s'être blessé au poignet juste au-dessus de sa montre. Dans la chambre, la porte de la salle de bain est ouverte. Il y a là, sur le sol, le corps d'une jeune femme, simplement vêtue d'un t-shirt. Elle repose sur le dos, les jambes vers la porte. Son bras droit est curieusement replié derrière son dos. Le réceptionniste constate que la femme ne respire plus, son pouls est inerte. Quand j'ai dit à mon ami qu'elle était décédée, le client a crié « Véronique, Véronique !» puis a tenté de la réanimer, témoignera l'employé. 2 policiers du commissariat d'Ostende entrent à leur tour dans la chambre 602. Ils notent la présence d'un petit sac plastique sur le sol de la salle de bain, tout près de la tête de la victime. La chambre elle-même est dans un désordre inextricable. Des habits et des chaussures sont éparpillés. Un morceau de faux plafond est détaché. On aperçoit des traces de fond de teint sur une porte, des traces de vin rouge aussi. Le client est agité et apparaît en grande détresse. Il répète que sa femme s'est suicidée avec un sac plastique. Les secours débarque à 23h10. Une médecin urgentiste va tenter de ranimer la victime pendant 25 minutes. Sans succès. La cliente est décédée suite à une asphyxie qu'il va falloir déterminer. Il est retrouvé de nombreuses plaquettes de somnifères et tranquillisants, mais celles-ci sont intactes. Les policiers entraînent le mari dans le couloir et demandent l'identité de cet homme qu'il n'avait pas reconnu. Bernard Westphal, 55 ans, politicien belge, élu au Parlement wallon, fondateur du parti baptisé Écolo et du récent mouvement de gauche. La victime n'est autre que son épouse, Véronique Westphal, 42 ans, née Véronique Piroton. À 00h01, vendredi 1er novembre 2013, la procureure du roi de Bruges déclenche une enquête judiciaire. Elle demande que Bernard Westphal soit placé en garde à vue pour répondre aux questions de la police.
La chambre 602, interdite d'accès, est-elle examinée par la police scientifique? Bernard Westphal est entendu pour la première fois à 6h40 du matin. Il explique être arrivé mercredi soir à Ostende. Véronique était arrivée avant lui, de son côté, en train. Le couple avait décidé de se retrouver sur la côte belge pour passer quelques jours en amoureux. Ils se sont mariés seulement 14 mois plus tôt en Toscane, une famille recomposée. Lui avait déjà deux enfants, elle un fils né d'un précédent mariage. Westphal décrit une femme fragile, imprévisible, impulsive, qui aurait déjà tenté de se suicider à 6 reprises, notamment en absorbant des médicaments, il l'aurait sauvée 3 fois. Elle était suivie par un psychiatre. Le parlementaire raconte que tout allait bien lors de ce séjour en amoureux quand Véronique est devenue incontrôlable. Une crise d'hystérie. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, dira Westphal. Le couple avait beaucoup bu. Après avoir hurlé pendant 20 minutes, elle s'est calmée, s'est rendue dans la salle de bain. Le mari dit s'être allongé sur le lit. Il pense avoir dormi 40 minutes. Quand il s'est réveillé, en sursaut, il a retrouvé son épouse inanimée, a tenté un massage cardiaque, lui a donné des gifles, mais elle ne s'est pas réveillée. Voilà donc pour cette scène de crime. On a en ligne depuis la Belgique deux journalistes de RTL TVI, les deux co-créateurs de la série Netflix Soupçons, les dessous de l'affaire Westphal, Georges Huercano et Pascal Vrebos. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne tous les deux aujourd'hui dans l'heure du crime avec cette histoire, je le disais en préambule, qui a vraiment fasciné et intrigué à la fois la Belgique. Je vais vous poser une première question, Pascal Vrebos, allons-y, je commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quelques mots qui est Bernard Westphal? C'est quelqu'un qui est connu en Belgique? Oui, il est connu, mais ce n'est pas un politique de haut vol. Il était chez Écolo pendant extrêmement longtemps, mais il espérait toujours des postes importants qu'il n'a pas eu parce que c'est une personnalité particulière, très très critique, très très personnelle, et qui s'opposait parfois au parti, aux dérives, comme il disait, du parti. Donc il était connu en Wallonie, mais visiblement pas en Flandre. Et c'est à Ostende que ça se passe, et là, personne ne le reconnaît. Personne ne le reconnaît, bien sûr. Ah non, il aurait dû avoir l'immunité. Si ça avait été, je ne sais pas, Elio Di Rupo, notre ministre président actuel, on ne l'aurait pas mis en prison. Et lui, il n'a rien dit tout de suite. C'est ça. Donc lui, il est sous le choc, manifestement, en tout cas. Hein. Il a cette attitude qui est un petit peu perdue. Là, on le voit bien dans cette première heure au cours de laquelle le corps est découvert. Georges Huercano, un mot, la même question sur l'épouse, Véronique Piroton. Qui est-elle? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Oui, une femme brillante qui a étudié les lettres, qui était journaliste, très belle. Une femme qui avait probablement devant elle un destin d'écrivain, en tout cas elle tentait d'écrire, mais surtout, et on le découvrira nous au cours de notre enquête, une femme qui a énormément souffert depuis son enfance. Elle a été rejetée par son père, élevée par ses grands-parents, alors que son autre sœur pas. Ensuite, de par ce manque, je pense, d'affection paternelle, elle est tombée, semble-t-il, dans les griffes d'un de ses professeurs. Ouais. On va en parler d'ailleurs, hein, puisque là, on va suivre le fil de cette histoire. Mais effectivement, c'est une femme fragile, comme l'a décrit d'ailleurs Bernard Westphal très très vite aux policiers. Bernard Westphal qu'on a en ligne dans cette heure du crime. Bonjour Monsieur Westphal. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Votre témoignage évidemment nous est précieux. Je l'ai dit dans le récit, vous avez décrit votre épouse comme quelqu'un de fragile. Je ne vais pas vous demander aujourd'hui de raconter à nouveau ce qui s'est passé. Je crois savoir que d'ailleurs vous n'en avez plus très envie. Vous l'avez beaucoup raconté cette histoire et on comprend. Mais vous avez parlé tout de suite de cette friabilité presque de votre épouse auprès des policiers. Est-ce que Véronique, vous le dites, elle avait fait des tentatives de suicide auparavant? Oui, tout ça a été largement démontré. Donc c'était pas ce qu'on appelle les appels au secours, mais véritablement des tentatives de suicide lors de 7, 8, dont 5 vérifiées par la police, donc avec un procès-verbal, et des tentatives qui étaient assez forte, puisque quand on saute dans un fleuve le soir, pour en finir, et qu'un passant vous repêche par hasard,
Ça ne s'appelle pas vraiment un appel au secours, ça s'appelle une véritable tentative de suicide. Mmh. Et fort heureusement, ce soir-là, elle a eu la chance d'être repêchée. Mais il y a d'autres faits encore plus lourds que ceux-là dans le dossier judiciaire qui indique que manifestement, bien avant moi d'ailleurs, et en même temps avec moi, mon épouse Véronique, que j'aimais évidemment très fort, a fait cette propension, si vous voulez, à poser des actes destructeurs vis-à-vis d'elle-même. Ça, c'est un fait, c'est même pas une discussion. Et pourtant, monsieur Westphal, on peut dire que la famille de Véronique ne pense pas une seconde, elle, qu'elle ait pu se suicider. Oui, parce que c'est à croire qu'il ne la connaissait pas. Évidemment, il n'en voyait pas beaucoup, mais je vais dire un mois et demi, si vous voulez, avant le drame de d'Ostende. Nous la découvrons, son fils et moi, chez elle, après avoir pris une dizaine de barbituriques, et on la sauvera tout à fait de justesse. Elle sera embarquée et la police descendra et la police lui demandera mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait ça. Elle a dit je voulais en finir. Mmh. Et donc déjà ce jour-là, si vous voulez, un mois et demi avant le 16 septembre de la même année, si on ne voit pas ça, elle serait déjà partie certainement à ce moment-là. C'est ça ce qui est fou dans l'histoire, c'est que on me reproche d'avoir été à la base de son décès, mais si j'avais voulu, si vous voulez, profiter d'une occasion ou de l'autre dans ce cadre-là, ben, je ne l'aurais pas sauvé un mois et demi plus tôt, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et malheureusement, je n'ai eu le soutien de personne et certainement pas de ta famille. Alors, on entend ce que dit Monsieur Westphal. Georges Huercano, journaliste et co-créateur de la série Netflix avec Pascal Vrebos, on vous a tous les deux en ligne. Georges Huercano, qu'est-ce qu'elle dit, cette scène de... J'ai pas dit une scène de crime, mais en tout cas, cette scène où on trouve cette personne morte dans la salle de bain. C'est compliqué, cette chambre, il y a beaucoup de désordre. Oui, il y a beaucoup de désordre, il y a des médicaments par terre, il y a effectivement ce petit sac en plastique qui est un set qu'on offrait aux personnes qui arrivaient dans l'hôtel avec quelques produits de toilette. Il y a le corps, la position du corps de Véronique évidemment qui interpelle, à moitié nue dans la chambre. Mais surtout, ce qui a influencé les policiers dans les premières minutes, c'est le fait d'avoir entendu les voisins de chambre du dessus, d'à côté. Du qui, bruit, beaucoup de bruit. Oui, voilà, qui eux disent qu'ils ont entendu des disputes, des bruits de meubles. C'est, je pense, dans un premier temps, ça qui a très très fort influencé les enquêteurs. C'est ça qui est troublant, évidemment, ces bruits qui sont perçus par les voisins de chambre. Le juge d'instruction de Bruges, lui, ne croit pas aux explications de Bernard Westphal. Selon les experts, la mort de Véronique Piroton ne ressemble pas clairement à un suicide. C'est un décès suspect. Le parlementaire belge est placé sous mandat d'arrêt. 3 jours après son arrestation et sa première garde à vue, Bernard Westphal comparaît devant la chambre du conseil, l'équivalent belge de la chambre française de l'instruction, pour statuer sur son cas. Le député reste en prison, maintien en détention qui s'appuie essentiellement sur les éléments adressés à la procureure du roi de Bruges. Un premier rapport d'autopsie indique que Véronique Piroton est décédée d'une mort violente dans la soirée du 31 octobre. Bernard Westphal, lui, reste sur ses positions. Il n'a jamais levé la main sur son épouse et a encore moins tenté de lui ôter la vie. Le soir fatal, il a simplement essayé de la calmer en la prenant par les épaules. C'est à ce moment-là qu'elle a planté ses ongles dans son poignet. Westphal indique que ses quelques journées en amoureux avaient pourtant bien démarré, malgré une vie de couple agitée, voire tumultueuse. Il admettra toutefois devant le juge d'instruction que Véronique avait projeté de passer ce week-end à Ostende sans lui. Le 30 octobre, il lui avait adressé 3 SMS et avait insisté pour la rejoindre. Elle avait tout d'abord répondu « Non, pourquoi faire ?» puis s'était ravisée. Le jour même, elle avait téléphoné à Victor, son fils, 14 ans, pour lui dire que tout se passait bien. Le retour était prévu le 1er novembre. Le couple se retrouve donc à l'hôtel Mondo le 30 octobre au soir. Une nuit amoureuse, le lendemain matin, Véronique annonce à Bernard Westphal
qu'elle a arrêté de prendre la pilule et souhaite avoir un enfant de lui. Une grande partie de cette journée va se dérouler derrière les murs de la chambre 602. Le couple reste au lit et se livre à des ébats qui ne passent pas inaperçus, entendus par d'autres clients de l'établissement. Tout aurait commencé à se gâter dans l'après-midi, selon Bernard Westphal. Le téléphone de la chambre sonne à deux reprises. Deux appels émanant d'un certain Oswald D., un psychologue et ancien amant de Véronique. Ils ont eu une relation pendant 3 ans. Ils avaient rompu, mais Véronique l'avait revue 2 mois après son mariage. Le fait est qu'après ces appels, Véronique aurait changé du tout au tout. Elle aurait eu soudain le sentiment d'étouffer et d'être harcelée, selon le témoignage de son mari. Celui-ci adresse alors un SMS au dénommé Oswald en le traitant de pauvre homme. Il lui laisse également un message vocal. « Je dois dire que je te méprise. » Pour se changer les idées, Bernard Westphal et Véronique Piroton sortent pour manger, ils boivent beaucoup, jusqu'au soir au bar de l'hôtel Mondeau. Véronique ne tient plus sur ses jambes et son mari doit la soutenir pour prendre l'ascenseur. L'examen toxicologique révélera que l'épouse avait 2,99 g d'alcool dans le sang. Un coma éthylique peut survenir à partir de 3 g. Le juge continue à explorer la vie bousculée de ce couple qui se sépare et se retrouve. Avant de partir à Ostende, Véronique n'avait-elle pas expliqué à son fils que plus rien ne marchait avant avec Bernard, avant de le retrouver comme si de rien n'était. Le 8 novembre 2013, 8 jours après la mort tragique de l'épouse, une reconstitution est organisée dans la chambre 602. Les légistes estiment alors que la position du corps ne cadre pas avec une tentative de suicide avec un sac plastique. L'autopsie a également montré 5 hémorragies sur le crâne, des marques de violence brutale, est-il indiqué. Véronique Piroton présente encore des lésions au thorax et à l'abdomen, résultat semble-t-il d'une compression écrasante. Sur un coussin de la chambre ont également été retrouvées des marques de fond de teint et de rouge à lèvres, de quoi laisser penser que la jeune femme a pu être étouffée. Bernard Westphal ne varie pas dans ses déclarations. Il n'a pas tué Véronique. Au terme de cette soirée d'alcool, de cris et de délire. Pascal Vrebos, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, journaliste RTL TVI, l'un des co-créateurs de la série Netflix, Soupçons, les dessous de l'affaire Westphal, série qui est formidable. Il faut regarder cette mini-série, moi je l'ai vue, elle est vraiment très très bien faite et vous décrivez absolument bien ces moments. Vous avez eu des documents incroyables, il y a ce document de la reconstitution où on voit Bernard Westphal qui est assis sur le lit dans cette chambre où sa femme est morte. Qu'est-ce qu'elle dit justement cette reconstitution ? Parce que c'est un moment important du dossier. Oui, d'abord on a eu beaucoup de difficultés à voir ces images parce que c'est une première en Belgique. Aux États-Unis c'est banal, mais chez nous c'est pas courant. Et chez nous aussi, Pascal, je vous rassure. Oui, je sais, je sais. Mais cette reconstitution était intéressante parce qu'on voit un Bernard Westphal à la fois sûr de lui et pas sûr de lui, et on voit aussi que le doute s'insinue parce que il y a plusieurs explications, plusieurs possibilités. Et même les experts vont avoir une vue différente à partir de ces reconstitutions, à partir des analyses. Et donc, c'est vraiment une sorte de thriller vrai avec du suspense parce que c'est en prison parce qu'il connaissait un pharmacologue qui était un détenu avec lui. C'est ce pharmacologue, parce qu'il lui passe les analyses, les nouvelles analyses, et le pharmacologue lui dit ben attends, il y a une erreur là. Tout ça se passe en prison. Oui, donc là, il a accès aux analyses hein, de l'autopsie, oui. Les premières analyses, et puis il va les soumettre à un professionnel, si je puis dire, qui va trouver d'autres pistes. Ce que vous nous dites, Pascal Vrebos, c'est important, parce que ça veut dire que dès le début, il n'y a pas une piste, mais il y en a 3, 4, 5. Oui, on se perd, hein, c'est compliqué. Et même Bernard Westphal dit « elle s'est suicidée », et puis à un moment donné, il se dit « mais non, elle ne s'est sans doute pas suicidée ». Lui-même revient sur ce qu'il pensait. Oui, tout ça est très flou. Hein. Tout de suite, on n'arrive pas à trancher. Il y a un vrai malaise qui est tout à fait exprimé dans cette reconstitution. Oui. Georges Huercano, vous êtes vous aussi journaliste à RTL TVI et également le co-créateur de la série sur les dessous de l'affaire Westphal. Ce couple, Westphal,
on peut le dire, il est en plein déchirement. C'est « je t'aime moi non plus » en permanence. Mais depuis le début, en fait. Hein, c'est presque deux âmes brisées qui se sont rencontrées, qui se sont fait du bien. Et puis, à un moment donné, je pense que voilà, le malaise de chacun l'emporte l'incertitude s'installe entre eux. Et puis, elle retourne voir celui que vous avez déjà cité, donc son amant, Oswald. Mmh. Et ça va être comme un poison. En fait, qui va comme un goutte à goutte comme ça, qui va être distillé dans le couple. Et effectivement, ils sont mal. Bernard Westphal décide de prendre un appartement, donc de quitter le domicile conjugal. Et Véronique, elle, se dit qu'elle va passer quelques jours tranquille à la mer, à Ostende. Il n'est pas prévu que Bernard la rejoigne dans un certain temps, ni même que l'amant la rejoigne non plus. Et donc, évidemment, ce qui devient la bombe à retardement, c'est le moment où il y a ce rapprochement entre Véronique et Bernard et l'amant qui appelle dans la chambre. Et l'amant qui apparaît, le troisième homme. Mais est-ce que on a l'impression que c'est un terrain, Giorgio Ercanno, un terrain propice, tout peut arriver. C'est très explosif comme relation. Tout peut arriver, effectivement. C'est ce qui trouble les enquêteurs, d'ailleurs. Mais hein, oui, aussi. Bien sûr. On peut imaginer qu'il y ait une crise de jalousie, mais on peut aussi entendre Bernard Westphal lorsqu'il dit qu'il y a déjà eu des moments de crise et des moments d'autodestruction du côté de son épouse et qu'il est intervenu. Donc ça, c'est vrai. Tout à fait. C'est dans le dossier. Mmh. Les procès-verbaux existent. Mmh. Toutes les hypothèses sont ouvertes à ce moment-là. Bernard Westphal, justement, on l'a en ligne dans l'heure du crime. Je précise tout de suite que vous avez... à l'issue de cette affaire, était acquitté de ce meurtre. On va en parler évidemment, mais c'est important de le souligner, d'entrer dans cette heure du crime. Alors on a parlé de Oswald, cet amant qui entre dans le décor. Vous ignoriez totalement la nature des échanges qu'il a entretenus avec votre épouse. Vous le saviez? En tout cas, ça a dû vous faire un choc là qu'il apparaisse soudain. Et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Cet homme a été à la base d'une manipulation perverse de mon épouse, que j'ignorais complètement jusqu'au moment où la police de Sens m'a montré les échanges entre mon épouse et lui et son amant. Et c'est là que j'ai compris sous quelle emprise se trouvait Véronique et pourquoi elle était si mal le soir et les autres jours d'ailleurs. Des faits et pourquoi elle était si déchirée d'une part par rapport à lui et par rapport à moi, mais il est clair que je ne pouvais pas imaginer la hauteur de cet homme et de sa capacité narcissique et perverse vis-à-vis de mon épouse. Donc je suis tombé de très très haut quand j'ai appris cela par la police. On a l'impression, Pascal Vrebos, qui connaissait bien cette affaire, on a l'impression que ces coups de fil de l'amant, de l'ex-amant, ce fameux Oswald, c'est le détonateur dans cette histoire. En tout cas, oui, dans ce thriller, ça pourrait être le détonateur, puisqu'on voit que Véronique est mal à l'aise, furieuse, et Bernard Westphal, qui croyait vivre une nouvelle lune de miel, puisqu'il dit que cette rencontre était extraordinaire, qu'il recommençait tout, qu'elle voulait un enfant de lui, c'est certainement une hypothèse, le détonateur, la jalousie, un coup de folie. C'était en tout cas ce que pense une partie de l'entourage de Véronique. Et il faut bien dire aujourd'hui, encore, d'ailleurs dans la série, le parquet est persuadé que Bernard Westphal est coupable. Le parquet est resté sur cette position et il va le rester jusqu'au bout. Deux mois après la reconstitution à l'hôtel Mondeau, le parquet de Bruges écarte définitivement la thèse du suicide. Malgré ses dénégations, Bernard Westphal voit ses demandes de libération rejetées. Il reste en prison, il sera jugé. Ce jeudi 15 septembre 2016, c'est libre que Bernard Westphal, soutenu par sa fille Safia, s'apprête à pénétrer dans la cour d'assises du Hainaut à Mons. Deux ans auparavant, le parlementaire a été libéré sous condition par la Chambre des mises en accusation de Gand. La défense de l'accusé compte bien exploiter les failles du dossier qui s'apparente, selon les avocats, maître Jean-Philippe Mayence et Tom Bowens, à une volonté manifeste de détruire monsieur Westphal. Le juge d'instruction de Bruges note la défense parlait déjà d'assassinat alors que les expertises médicales étaient toujours en cours.
une contre-expertise menée en 2014 n'avait pas apporté de certitude quant aux causes de la mort de Véronique Pirbeton. Rien n'était exclu, asphyxie accidentelle, suicidaire ou criminelle. Il était encore indiqué qu'un cocktail associant alcool et médicaments pouvait avoir entraîné une issue fatale. Une victime qui aurait tenté de se suicider à 7 ou 8 reprises, la dernière de ses tentatives sous l'emprise de l'alcool, remontant quelques semaines avant le décès. Comment pourrait-on imaginer qu'il a souhaité la mort de cette femme, qu'il a sauvée plusieurs fois auparavant, s'interroge Maître Mayence, avocat de Bernard Westphal. Si les expertises médicales restent dans le flou, le dossier présenté par l'accusation respire lui aussi le désordre. Les experts psychiatres ne font pas le même portrait de Bernard Westphal. L'un accablant, deux autres beaucoup plus tempérés. La juge d'instruction appelée à exposer son enquête se révèle imprécise, tout comme les policiers qui ont parfois perdu la mémoire sur certains détails. Le président des assises, Philippe Morandini, perd patience, tout comme l'avocat général. Même les explications de Bernard Westphal paraissent floues. L'accusé donne le sentiment d'être totalement perdu. Il répond toujours de façon monocorde, sauf quand il dénonce les nombreuses erreurs de traduction de la procédure. « Je n'ai pas porté de coup à ma femme », affirme-t-il. « Je l'ai juste giflé pour la ranimer. Le mot « gifle » a été traduit en « coup », ce qui est une erreur. » Alors voilà donc pour le début de ce procès, les premiers jours. Une longue enquête, Pascal Vrebos, journaliste qui avait enquêté sur cette affaire, une longue enquête, mais aucune certitude qui jaillit, si je puis dire, à ce procès. Non, beaucoup, beaucoup de contradictions et surtout ce qui est flagrant, ce sont des experts qui s'empoignent. Il y a aussi, il faut dire, deux avocats dont un ténor, Maître Mayence, qui vraiment revoit cette enquête au scalpel et va en dénoncer les manques. Et d'ailleurs, le président de la cour d'assises, Morandini, à un moment donné, il appelle les policiers flamands en disant « Attendez, remettez un peu d'ordre dans votre ligne du temps ». Donc on est là dans un thriller qui vire un peu à la comédie, d'autant plus que nous sommes en Belgique, que la cour d'assises est en Wallonie et que l'enquête s'est passée en Flandre. Oui, d'où la difficulté effectivement, voilà. De communication effectivement, et de traduction. Et de traduction, parce que c'est assez important. Évidemment, nous, en France, on parle à peu près tous la même langue. C'est un peu plus compliqué en Belgique, on le comprend bien. Georges Huercano, que penser de ce début de procès? Comment se présente M. Westphal à l'audience? Quel portrait peut-on en tirer? En fait, il est resté assez sobre. Il a répondu aux questions, mais il n'a pas non plus fait des effets de manche. Il avait très très bien préparé sa défense avec ses avocats, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire, parce qu'ils ont revisité tout le dossier. Ils ont pointé toutes les failles du dossier. Il faut dire qu'il en comportait pas mal. Ils ont aussi pris contact avec des contre-experts qui, eux, évidemment, ont amené des éléments qui ont vraiment semé le trouble dès le départ. Et alors, évidemment, au niveau de l'ambiance, ce qui était assez particulier, c'est que Bernard Westphal devait faire face à la famille de Véronique Pirbeton. Il faut quand même penser à elle aussi. Évidemment. Qui était en demande de réponse parce qu'elle a vu un corps avec des hématomes, une femme qui est partie en bonne santé, qui a perdu la vie, et qui voulait savoir ce qui s'était passé. Et bien sûr, et cette famille a été effectivement dans l'attente d'avoir des réponses à toutes ces questions. Bernard Westphal, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime. Est-ce que vous étiez confiant au début de ce procès? Ah bien sûr que non. Non, puisque le parquet n'avait... travailler qu'à charge en ce qui me concerne, et donc non, on n'est jamais certain de ce qui va sortir. Toujours est-il que je me suis défendu avec mes avocats et nous avons apporté la démonstration jour après jour que les faits qui m'étaient reprochés reposaient sur du sable. C'est jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment du jugement, que mon angoisse était pratiquement mortelle dès l'instant où je ne sais pas du tout dans quel sens allaient se prononcer les jurés. Alors, il y a cette autopsie qui ne serait pas claire. Les analyses étaient fausses dès le départ. C'est en tout cas ce que vous avez dit avec vos avocats. Et vous avez dû faire une contre-expertise, c'est ça? Et non seulement les constatations sont fausses, mais qui plus est, les analyses sont grossières, puisque on décrète que mon épouse
rien de particulier en termes de médication dans son contenu gastrique. Or, nous avons donc dû nous faire la démonstration que manifestement, et ils l'ont reconnu par la suite, je parle du parquet, il y avait d'une part 6 benzodiazépines, dont un à dose toxique et un deuxième proche de la dose toxique, et 3 grammes dans le sang, dans le corps de Véronique. Ce qui veut dire que si on avait fait cette analyse croisée des effets combinés alcool-médicaments, très vite on se serait aperçu que c'était létal. Mais ça, ils n'ont jamais voulu le faire. Jamais, jamais. Le procès s'annonce comme l'un des plus incertains qui soit. Il est prévu pour durer jusqu'au 6 octobre. L'étude de la vie intime et orageuse du couple Westphal et l'audition de l'amant Oswald s'annoncent d'ores et déjà capitales. L'audition de fin de soirée de ce mercredi 28 septembre est attendue avec fébrilité par toute la salle d'assises. Par l'accusé Bernard Westphal, ses avocats, par la famille de Véronique Pirotton, partie civile, par l'accusation et les jurés. Tout le monde guette l'apparition d'Oswald D., le psychologue et ancien amant de la victime, 53 ans. Il n'est que témoin, mais l'homme est omniprésent depuis l'ouverture des débats. Les avocats du parlementaire le décrivent comme un deus ex machina, une personnalité intrusive qui aurait fini par déstabiliser Véronique. À la barre, Oswald raconte que la jeune femme lui avait confié qu'elle voulait quitter l'accusé. À défaut d'amour, elle avait besoin de sécurité et elle ne l'avait pas autant qu'elle l'espérait, dit-il. Plus elle assume son désir de séparation, plus elle est en danger, ajoute l'ex-amant. Celui-ci produit une longue conversation, 13 minutes, enregistrée avec Véronique la veille de sa mort. Westphal se serait montré menaçant, mais l'enregistrement a été volontairement tronqué par Oswald. « Je craignais pour elle, je n'ai gardé que les parties qui me paraissaient les plus significatives. » À quel jeu joue donc l'ex-amant? Un personnage décrit comme envahissant, harcelant, toxique pour une ancienne compagne qui finira par porter plainte. L'un des avocats de Bernard Westphal indique que Oswald s'était lancé dans une entreprise de démolition contre le parlementaire, ce qui aurait totalement déstabilisé Véronique. L'audition de l'ancien amant Oswald devait amener un peu plus de lumière sur ce procès, tout au contraire. Les audiences ne vont cesser de s'enfoncer dans l'indécision et les suppositions. Jeudi 6 octobre à 16h31, après 3 semaines de procès, les 12 jurés font leur entrée dans la salle d'assises. À la seule question posée sur la culpabilité de Bernard Westphal, ils répondent « non ». Malgré toute une série d'éléments troublants, la position étrange du corps de la victime, les hématomes, les lésions, les bruits de lutte entendus par d'autres clients de l'hôtel, il existe un doute raisonnable qui doit bénéficier à l'accusé. Le président ne peut que déplorer l'absence de vérification aboutie de certains indices et le caractère, dit-il, incomplet des éléments présentés par l'accusation. Bernard Westphal est acquitté. Pascal Vrebot, journaliste RTL TVI, co-auteur de la série Netflix Soupçon, les dessous de l'affaire Westphal avec Georges Vercano. Vous êtes tous les deux en ligne dans l'heure du crime. C'est une surprise cet acquittement, Pascal Vrebot. Écoutez, par rapport en tout cas au début de l'affaire où tous les médias condamnaient Bernard Westphal et le traitaient d'assassin, c'est vrai que c'est un retournement. Mais il ne faut pas oublier qu'il est acquitté au bénéfice du doute et à l'unanimité, il faut bien le dire, des membres, parce que il y avait vraiment un doute. Mais le paradoxe, et c'est pour ça que nous avons fait d'ailleurs cette série, c'est qu'il est acquitté, mais malgré tout, dans l'opinion publique, beaucoup le considèrent comme coupable. C'est ça le paradoxe. Comme si cet acquittement n'était pas un véritable acquittement, qu'il y avait beaucoup trop de doutes. Beaucoup trop de doutes, et puis c'est la seule personne qui est avec la victime, tout simplement. Alors ça, c'est un peu compliqué aussi, dans le huis clos de cette chambre. Exactement. Mais donc, il y a eu une surprise, sauf peut-être au milieu du procès, lorsque un expert qui considérait que Westphal était coupable, à la question de l'avocat de Mayence qui lui répétait « Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un doute ?» À un moment donné, il a dit oui. Et à ce moment-là, on a vu le sourire sur les lèvres de l'avocat Mayence et on a vu que le procès basculait. Et voilà, c'était parce que le doute était mis. Effectivement, un procès d'assises, c'est comme ça. C'est comme du théâtre, ça bascule d'un seul coup. Il y a le moindre détail, le grain de sable qui va se gripper dans la machine et qui va tout faire déraper. Georges Vercano, il faut que vous nous parliez tout de même du poids qu'a
peser le témoignage d'Oswald. Il était omniprésent, cet homme. On ne le voyait pas, oui. Mais il était toujours derrière le dossier. Là, il vient témoigner, on le voit en chair et en os, mais il ne dit pas grand-chose. Non, il ne dit pas grand-chose parce que c'est un être qui fuit, en fait. Hein. C'est un être qui est toujours dans l'ombre. Et pourtant, il a eu une énorme influence sur Véronique Perrotton. Il ne faut pas oublier qu'ils ont entretenu des relations sentimentales, sexuelles, très, très épicées, qu'il y avait une relation épistolaire entre eux très, très forte. Et lui-même était exercé une pression mentale sur elle parce que, bon, elle buvait, elle avait par moments des périodes très difficiles. Il l'a incité au suicide. Nous avons diffusé des extraits où dans ses courriers il lui dit tu n'es qu'un déchet et la meilleure chose qui pourrait arriver c'est de mourir dans un coma éthylique. Voilà le genre de choses qu'il a pu écrire. Et c'est étonnant, Georges Vercano, qu'il n'y ait pas eu de poursuite. On peut, vu ce que vous nous dites là, parce que l'incitation au suicide, ça existe. Hein. La victime n'était plus là. Et puis je pense qu'il s'est senti très très blessé aussi de ne pas avoir appris ou de ne pas avoir su que Véronique conviait Bernard Westphal à le rejoindre à Ostende, puisqu'en fait elle montait aux deux. Dans cette période-là, elle ne dit pas à Bernard Westphal qu'elle continue à fréquenter Oswald, mais elle ne dit pas non plus à Oswald qu'elle a accepté que Bernard Westphal la rejoigne à Ostende. Et donc, à partir du moment où, lorsqu'il appelle dans la chambre et c'est Bernard Westphal qui décroche, ses premières paroles, c'est « Allô, c'est ton grand méchant loup ». Il pense parler à Véronique et là, il se rend compte. Et là, il tombe. Voilà. Et là, la pression, il envoie des messages, il appelle sans cesse et donc il lui met une pression qu'il sait néfaste. Bernard Westphal, lui, ne retournera pas en prison. Plus aucune charge ne pèse sur ses épaules. Verdict qui laisse un sentiment amer de frustration. 3 ans après la mort de Véronique Perrotton, personne ne sait comment est morte la jeune femme. Bernard Westphal, ex-député wallon et ex-président du groupe parlementaire écolo, aimerait tourner sur cette affaire la page dans laquelle, affaire dans laquelle il s'est retrouvé à jouer les premiers rôles. Mais il n'y parvient pas. La famille de Véronique Perrotton a vécu cet acquittement comme un camouflet, une insulte pour la mémoire de la disparue. Le fils de Véronique, Victor, et son père, l'ex-mari Konstantinos Tsermias, ont tenté de lancer de nouvelles poursuites contre Westphal, notamment par le biais d'une plainte déposée au civil pour non-assistance à personne en danger, abstention coupable et coups et blessures. Les plaignants ont été déboutés. Bernard Westphal a été indemnisé à hauteur de 83 000 euros pour une détention jugée inopérante. Le parlementaire s'est remarié et a eu un enfant. En 2020, il avait annoncé son retour en politique. À la fin de son procès, Bernard Westphal avait déclaré « Je voulais dire que j'aimais profondément Véronique et que j'aurais tout fait pour elle pour essayer de la sauver », ajoutant « Il n'y a pas un seul jour où je n'ai une boule dans l'estomac » qui me rappelle son décès. Je dois vivre sans elle. Je dois vivre sans elle. Bernard Westphal, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Est-ce qu'au cours de cette histoire qui est aujourd'hui terminée, même s'il est difficile pour vous de tourner la page, est-ce que vous vous êtes senti persécuté? Oui, je me suis senti persécuté par le parquet qui a travaillé principalement à charge et jamais à décharge pour prouver que j'étais bien coupable de ce qu'on me reprochait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me félicite que ce même parquet, donc l'État, ait été condamné pour cet acharnement, puisque j'ai été reconnu victime d'une détention inopérante, et l'État a dû me dédommager largement. Donc, en d'autres mots, mon comportement de ce soir-là ne me permettait pas au parquet de m'incarcérer. Donc c'est un élément fondamental qui est venu s'ajouter par la suite. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui des regards suspicieux posés sur vous ? Ce n'est pas ce que je rencontre quand je me promène dans la rue, quand je vais dans les grandes surfaces ou dans mes magasins ou autres, ni d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai à peu près 30 demandes d'amis par jour. Donc non, je pense qu'objectivement, les gens ont bien fait la différence. Bien sûr, vous avez toujours, hein, vous le savez certainement, les courageux derrière leur clavier qui dégueulent sur moi. Hein. Voilà, vous pouvez être acquitté
15 fois dans ce pays, il y aura toujours des gens pour dire oui, c'est pas vrai, l'abricier judiciaire, c'est de la connerie, cet homme était puissant, etc. Vous aurez toujours la logique du complot. Je m'en plains pas, je ne doute pas qu'il y ait encore une bonne partie de l'opinion publique qui m'estime coupable, mais ça, vous n'avez rien à faire contre ça. Hein, rien. Il faut vivre avec, et moi, je vis avec les gens qui m'aiment, et je ne vis pas avec les autres. Donc, voilà. J'en ai tiré aussi mon parti, si vous voulez. C'est comme ça. Mais je dois vous dire que globalement, je ne sens aucune forme en visuel, je veux dire en présentiel. Lorsque je rencontre des gens, je ne sens aucune forme d'animosité, que du contraire, du soutien de personnes qui me disent comment est-ce qu'on a pu faire ça, etc. etc. Hein et très, très régulièrement. Mais bon, ça n'empêche pas, comme je dis, les courageux derrière leur écran de quand même parfois dégueuler encore sur moi quand ils voient mon nom. Mais bon, je vis avec et je me moque de ces gens. Pascal Vrebos, journaliste à RTL TVI, je suppose que ce doute raisonnable dont a bénéficié Bernard Westphal continue d'alimenter les supputations. On continue à s'interroger en Belgique sur cette affaire. Oui, même si je pense maintenant la page quand même est en train de se tourner. Et si on a fait d'ailleurs cette série, c'est pour que le Netflix, public belge, mais aussi étranger, puisse se faire sa propre opinion à travers cette espèce de thriller. Et moi, j'ai envie de vous poser la question à vous. Vous en pensez quoi? Je ne vous répondrai pas, parce que c'est moi qui ai le beau rôle aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Et c'est comme ça toujours que ça se passe, vous le savez bien. Vous êtes journaliste. Georges Huercano, que devient là, un mot sur la famille de Véronique Pirot? Qu'est-ce qu'ils deviennent, cette famille? Parce qu'ils ont été très blessés par cette affaire. Hein. Oui, ils restent blessés parce que pour eux, il y a des réponses qui manquent, évidemment. Ils n'ont pas obtenu les éléments qu'ils espéraient obtenir lors du procès. Et ça, c'est vraiment la grande leçon à tirer lorsque la justice est approximative et arrive avec une théorie qui ne tient pas. Quand des policiers sont renvoyés à leur ligne du temps, il y a quelque chose qui manque, évidemment. Et pour eux, ils attendent toujours l'explication pourquoi Véronique est décédée. Et puis cet énorme gâchis, je pense qu'il faut quand même revenir à la victime. La grande victime dans cette affaire, c'est Véronique. Victime tout au long de sa vie et surtout victime d'une fin tragique. Et d'une fin tragique. Et puis c'est un, il faut le dire, on va conclure là-dessus, mais c'est un échec judiciaire, cette affaire. Hein. Il faut le dire, c'est un naufrage quand même. Oui, parce que en fait, si vous suivez la série sur Netflix et que vous tentez de vous mettre à la place d'un membre du jury, vous allez comprendre de la difficulté quand on est monsieur et madame tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de la responsabilité qu'on peut avoir à devoir juger un homme, alors que nous ne sommes ni spécialistes en toxicologie, en quoi que ce soit dans ce type de matière-là, et on vous demande de juger un homme. C'est toujours compliqué, bien sûr. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.